Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc là, j'ai fait un petit tutoriel hein, spécialement pour Nicolas qui nous avait fait la demande il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous demandait comment convertir un fichier bitmap ou JPEG dans le format SVG, hein, SVG graphique vectoriel adaptable en français. Donc pour ce faire, j'ai créé un petit dessin, la lettre A, voilà, dont les dimensions sont les suivantes. Elle fait 413 par 585 pixels pour 72 dpi ou points par pouce si vous voulez. Voilà. Donc dans l'état actuel des choses, on ne pourrait pas l'utiliser comme ça parce que vous allez vous apercevoir que si on augmente sa résolution à l'écran, il va pixeliser. Et vous allez vous apercevoir même qu'on voit les nombres ici. Donc on ne peut pas dire que ça soit exploitable dans cet état-là. Donc ce qu'on va faire, on va l'agrandir d'une manière originale. C'est-à-dire qu'on va utiliser un autre logiciel qui s'appelle PhotoZoom Pro 7. Voilà, je le lance, tant qu'il arrive. Voilà. Ceci étant fait, on va aller chercher notre fichier dessin bitmap, notre petit A qu'on trouve ici. On va l'ouvrir. Voilà. Et là, on va augmenter sa résolution en dpi. Ici, on va le passer à 300 dpi. Voilà, ceci étant fait, donc le logiciel travaille, vous voyez la petite ligne. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à le sauvegarder. On le sauvegarde, hein, vous visez un petit peu tout ça, hop, on le sauvegarde, ça c'est la qualité, et hop, on dit ok, et on le laisse travailler. Je vous enverrai de toute façon les liens pour obtenir ces logiciels là qui sont gratuits, à part celui-ci qui est payant, mais autrement les autres sont gratuits. Donc on peut couper, et on va faire un petit essai maintenant sur notre nouveau petit fichier image où il y a la lettre A qui lui a été redimensionné d'une façon artificielle. Donc là on peut s'apercevoir maintenant qu'il fait 2478 pixels par 3510 pour 300 dpi. Voilà. Et là maintenant on peut l'ouvrir. Et là regardez, là je suis à 200%, 300% et on s'aperçoit que ça pixelise pratiquement plus. Donc on va pouvoir l'utiliser pour être converti en SVG. Donc pour ce, je vais lancer un autre logiciel qui s'appelle InCap. C'est un logiciel lui complètement gratuit et fort intéressant. Donc on va ouvrir notre fichier qui a été agrandi. Celui-ci là, c'est celui-ci, oui voilà. Donc on l'ouvre. Allez. Là vous avez plusieurs options, donc vous choisissez celle qui vous correspond. En ce qui me concerne, je vais prendre celle-ci, celle de la ligne du milieu. Voilà. Hein, voilà. Ok, on démarre. Et là le A va arriver. Il va arriver, le voilà. Voilà, c'est fait. Donc ceci étant fait, il nous reste plus maintenant que le sauvegarder avec sa nouvelle extension, donc SVG. C'est un format qui est utilisé généralement dans les sites web, hein, par exemple, pour de manière où la forme soit lisible par n'importe quel support, hein, téléphone portable, etc., etc. Voilà, vous allez retrouver maintenant votre petit A au format SVG qui se trouve ici, donc qui est lui maintenant plus du tout pixelisé et prêt à l'emploi. Voilà. Bon, il y a d'autres moyens pour créer ce genre de choses en utilisant par exemple InScape, Illustrator, etc. Bon, dans l'attente, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!